Bonsoir à toutes et tous. Donc nous sommes réunis à nouveau en distanciel pour, j'espère, la dernière fois de l'année, et voire même de la décennie, ce serait bien, en raison des configurations Covid, alors telles qu'on les avait anticipées en début de mois, vu les contingences de temps qui nous amènent à ces modules-là, sachant que quand on est en salle complète, on est une soixantaine en présentiel. Donc le choix a été fait, puisqu'on en a les moyens, d'être à nouveau en distance et en direct, comme toujours, sur la chaîne YouTube d'Eco Évron, qui permettra d'archiver cette séance. On a un ordre du jour relativement court ce soir, une fois n'est pas coutume, donc tant mieux, on pourra profiter de nos intérieurs un peu plus vite que d'habitude ce soir. Et on va l'entamer par une séance de souhaits, de vœux, de bonne année à toutes et tous, non seulement aux élus ici présents et qui nous rejoignent, mais aussi à l'ensemble des habitants des Coëvrons. Top magnéto, Serge. D'abord à remercier toutes celles et tous ceux qui, chacun à leur poste, nous ont aidés à surmonter cette pandémie. Gageons qu'en 2022, nous saurons préserver notre territoire, son dynamisme et valoriser l'éco-Évron. Tout le conseil communautaire se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année 2022. Que celle-ci nous apporte plus de sérénité, qu'elle nous apporte forcément la santé, le bonheur pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nos familles. Fait simple et bref, effectivement, ce qu'on peut se souhaiter de mieux pour cette année, c'est la santé pour tous. Je vais entamer cette séance non sans demander à notre cher ami Bernard Maurice s'il accepte d'être le secrétaire de la séance de ce soir. Oui. Oui, merci Bernard. Je vais faire l'appel de chacun dans l'ordre de vos communes dont vous êtes titulaire, maire ou adjoint ou élu. Et je démarre par monsieur François Leroux. Es-tu présent ? Oui, bonsoir. Bonsoir François. Monsieur Jean-Pierre Ferré. Présent. Madame Marie-Cécile Maurice. Présente. Merci Marie-Cécile. Alors monsieur Patrick Cousin s'est excusé et je crois que Viviane Decatte est là. Présente. Mère, bonsoir. Monsieur Claude Garnier, es-tu là? On va dire que non. Monsieur Gaël Gringoire. Bonsoir, présent. Bonsoir. Madame Chantal Angeliaume. Présente. Moi-même, je suis là. Madame Marie-Thérèse Breton. Présente, je suis là. Madame Adélaïde Dejardin. Présente. Madame Isabelle Dutertre. Présente. Monsieur Alain Fortin. Je ne l'entends pas, Alain, pour l'instant. Monsieur Pascal Foucault. Je crois l'avoir vu tout à l'heure. Pascal, on n'a pas le micro de branché ou on te... Je vais voir si je te vois. On va dire que pour l'instant, on n'entend pas Pascal. C'est arrivé des fois. Allez, pour l'instant, non. Monsieur Claude Langevin. Alors, Claude n'arrive pas à se connecter. Ah, on a Eric qui travaille à récupérer les gens perdus en salle. Il n'a que le bureau communautaire. Il n'a pas le conseil communautaire. D'accord, il va se faire rattraper par la police informatique du conseil communautaire. Très bien. C'est bon, Joël. Ah, ça y est, c'est bon. Eh bien, merci. Madame Sophie Joël, Le Chagrin. Oui, Pascal. Pascal est là. Ok, super. Et on va rattraper Claude bientôt. Madame Sophie Le Chagatel. Présente, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Pierre et Jules Lecourt. Présent. Merci, Pierre. Monsieur Jean-Pierre Marot. Présent. Monsieur Jean-Philippe Ménian. Présent. Monsieur Fabrice Métairie. Bonsoir, présent. Bonsoir, Madame Marie-Claire Moisy. Présente. Madame Nathalie Rousseau. Bonsoir à tous, je suis présente, Monsieur le Président. Merci, chère Madame. Madame Blandine Verdier-Carcoué a donné justement un pouvoir à Madame Nathalie Rousseau, qui est deux fois présente du coup. Monsieur Gérard Papillon. Présent. Ouh. Oui, bon, bonsoir Gérard. Présent. Excuse-moi, j'ai oublié Maurice Suard. Présent.
Merci. Donc Gérard Papillon est bien là. Monsieur Bertrand Chenet. Présent. Monsieur Alain Suard. Présent. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Bernard Géraud. Bernard n'est pas là pour l'instant. Ni monsieur Benoît Flipeau. Oui. Alors monsieur Pascal Ribaud. On ne l'a pas non plus pour l'instant. Monsieur Fabrice Sirot. Présent, bonsoir à tous. Bonsoir Fabrice. Monsieur Robert Gélot. Présent, bonsoir à tous. Bonsoir Robert. Monsieur Guillaume Amiard. Présent. Qui n'a pas de masque du coup. Bonsoir. Madame Evelyne Dupont. Présente. Madame Geneviève Pinglaou. Bonsoir, présente. Bonsoir. Monsieur Benoît Quintard. Bonsoir, présent. Bonsoir. Monsieur Jean-Noël Ravet. Présent. Bonsoir. Madame Jannick Rivalan. Jannick n'est pas là pour l'instant. Donc pour l'instant, non. Monsieur José. Je crois savoir qu'elle est au travail encore. Elle est au travail encore, très bien. Monsieur José Dard. Bonsoir, présent. Bonsoir. Monsieur Bernard Moulet. Présent. Présent. Bonsoir. Monsieur Michel Galvan. Présent. Madame Laurette Boucli. Bonsoir. Bonsoir à Sainte-Suzanne. Donc, Madame Arlette Letellier. Présente. Bonsoir. Monsieur Philippe Duitch. Je ne l'ai pas sur la liste. Philippe, pour l'instant, a priori, n'est pas là. Madame Christine Gébert. Présente. Bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Christian Leblanc. Bonsoir. Présent. Monsieur Jacques Dano. Présent. Madame Jacqueline Lepage. Présente. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Monsieur Bernard Maurice, donc forcément présent, il s'est déjà signalé tout à l'heure. Madame Joëlle Blanchard. Présente. Monsieur Hervé Rondeau. Présent. Madame Julie Ducoin. Présente, bonsoir à tous. Bonsoir. Monsieur Régis Lefeuvre. Présent. Monsieur Roland Benèche. Roland, je vérifie sur ma liste, je ne le vois pas. Comme on est par ordre alphabétique, il n'est pas là pour l'instant, monsieur le maire. Vous le direz que j'ai pensé à lui. Monsieur Patrick Mangeoin. Il n'est pas là non plus. Monsieur Xavier Seigneuret. Présent. Bonsoir. Et monsieur Dominique Bonsoir. Richard. Dominique n'est pas là pour l'instant. Les conditions de quorum étant régulièrement remplies, nous allons pouvoir délibérer sur l'ordre du jour, qui vous avez vu est relativement court. On fera sûrement un petit point Covid vers la fin. Et puis donc je passe directement la parole, non pas à Jules, que j'ai le plaisir de voir plusieurs fois, c'est vraiment charmant, mais plutôt à monsieur Alain Suard, ce qui est tout aussi charmant. Alain, je te laisse entamer. Merci, Monsieur le Président. Bon, ça devrait être rapide. Hein. Trois petits sujets légers, ça nous change. C'est ça. Donc, le premier, ça concerne la modification du tableau des emplois au 1er mars prochain. Donc, on a deux départs au sein de la collectivité. Donc, au travers de communes, dont une qui a mutualisé la commune d'Isée, et puis une autre avec Assel Béranger, où là, on avait un poste, entre guillemets, de coordination RH Finance, avec une mise à disposition pour le temps restant de l'agent sur la commune Assel Béranger. Donc les deux agents concernés donc, vont quitter les collectivités. Donc ça nous amène bien évidemment à devoir lancer des recrutements pour les remplacer. Vu le timing, on a passé la case bureau, parce que la demande, on l'a eue dans l'entrefaite. Le bureau avait eu lieu début janvier. Donc c'est pour ça qu'on présente la demande directement donc, auprès du conseil communautaire. Donc le premier besoin concerne la commune d'Isée, donc au travers du départ de la secrétaire de mairie, qui aujourd'hui est à temps complet au sein de cette collectivité, avec une partie de son temps, donc dans le cadre de la mutualisation, donc dédié sur 20%, donc au sein du service finance commande publique. Donc la commune d'Isée donc a revu dans le cadre de son départ le besoin donc au sein de la mairie dans le cadre de ses fonctions de secrétaire et d'accueil postal. Et donc aujourd'hui, donc, le besoin de la commune est limité donc, à 20-35e, tout en sachant que préalablement, dans le cadre de la MUT, effectivement,
la secrétaire concernée dédiait 28/35e de son temps en fait à la dite commune visée. Pour cette 35e, c'était pour la collectivité, pour la communauté de communes au sein de la mutualisation services finances. Et donc un autre besoin, donc là c'était notre gestionnaire mutualisé coordination RH finance qui était à temps complet et qui avait elle-même donc une mise à disposition pour la commune d'Assel Béranger, donc à hauteur de 11/35e. Ce machin-là. Donc pour les deux personnes, donc pour la deuxième personne, le remplacement, lui aujourd'hui, c'est prévu, mais qu'au sein du service RH et dans la limite de 17/35e, parce que d'une manière concomitante, donc comme ça vous a été signalé dans la note, hein, donc il y a un agent qui était administratif, qui était à temps complet, donc qui, dans le cadre d'une réaffectation de service, donc va rejoindre effectivement le service finance, et donc lui-même va couvrir et pourvoir, donc c'est un peu les chaises musicales, on ne fait pas de l'empilage, hein, on regarde vraiment les opportunités, dans le cadre d'agents qui eux-mêmes étaient donc en disponibilité, au moins pour un, donc cet agent-là, donc dans le cadre de sa réaffectation, va venir à pourvoir à cet agent qui est en disponibilité, et lui-même venir couvrir les besoins que j'ai évoqués juste avant. Donc voilà donc d'où cette demande ce soir devant le conseil communautaire pour qu'on puisse effectivement lancer dans la foulée, si vous en êtes d'accord, donc les recrutements, pour pouvoir pourvoir donc pour le 1er mars que ça va venir assez vite maintenant. Donc voilà, donc vous voyez que bon, on est souvent dans ces cas de figure, bon, le départ d'agent, des opportunités qu'on peut avoir, une réanalyse qui est faite sur les postes, hein, donc d'être pragmatique et de se dire est-ce que le besoin est toujours au même niveau ou pas. Et puis effectivement, et on voit bien une réaffectation de service, l'agent doit toujours rester dans la collectivité, donc on regarde les opportunités qui se présentent à nous, et précisément, donc avec ces remplacements, on peut tout de suite réaffecter cet agent et pourvoir effectivement sa réaffectation de service. Est-ce que vous avez des questionnements par rapport à ces propositions? Oui, mais j'entends pas grand-chose. Hein. Ah, c'est Monsieur Mangeoin qui arrive avec son micro ouvert. Donc on t'entend, Patrick, et on te note présent. Et par rapport aux commentaires sur la présentation d'Alain, juste pour dire effectivement que c'est l'opportunité. C'est pas très simple, hein, la présentation comme ça, puisqu'on est sur des mouvements multiples. Mais effectivement, c'est se dire, et on en fait le bilan régulièrement. Donc là, sûrement qu'on représentera l'organigramme de service au prochain. Souvent, suite à ces réaffectations ou ces emplois de ces publications de postes, on publie derrière le nouvel organigramme et les temps de service. Mais pour objectiver effectivement le gain ou les opportunités saisies par les communes, en l'occurrence, sur le temps de travail. Donc ça fait partie des économies de temps de travail potentielles. Alors non, c'est pas des économies sur les services, pour le coup, hein, les services sont toujours rendus, mais c'est sur le temps de travail que la commune met en œuvre, enfin met en moyen, pour le coup, hein, et en moyens financiers, pour assurer des services de back-office, de finance ou de RH, qui peuvent être économisés dans le cadre de la mutualisation de services, quoi. Voilà, donc on présentera le nouvel organigramme, j'imagine, la prochaine fois. On le refait, on le fait régulièrement suite à ces publications-là, ces modifications de temps. Donc ça concerne beaucoup les services mutualisés et les communes de destination qui sont là, en l'occurrence, Isée et Assel Béranger. Donc c'est, on va dire, très financé par ces communes-là, mais ça impacte quand même tout le monde dans l'organisation. S'il n'y a pas d'autres remarques, je laisse Alain procéder au vote. On a le vote, comme d'habitude, sur l'équipe... De Teams, là, sur le... Je ne l'ai pas, voilà, ok. Donc, la procédure de vote, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas faite, effectivement. Donc, il va falloir que chacun se retrouve les choses. Donc, sous Teams, on va chercher la fenêtre de vote. Si jamais vous n'y arrivez pas, en fin de session, on peut avoir une séance de rattrapage. Vous restez après la diffusion du film pour être sûr que tous les votes sont enregistrés. Hein, et il y aura confirmation si jamais il y a des votes ratés d'ici demain matin. Voilà pour ce vote-là. Je te laisse pas procéder au vote, oui, Alain. Ouais, donc faut juste revenir sur l'écran d'accueil. Donc quand vous êtes arrivé tout à l'heure pour sélectionner la séquence de la réunion, il faut revenir sur cet écran-là et en haut dans le bandeau. Donc vous avez mon vote tout en haut. Donc après publication fichier, donc vous avez la fonctionnalité. Donc. Et là, le vote. Alors méfiez-vous parce que les votes viennent les uns derrière les autres. Hein. Donc pour l'instant, on est toujours qu'aux premières unités. Oui.
Attendez, je les ai tous présentés pour les voter quand même. Allez, très bien, donc, tu vas pouvoir continuer. Donc le point suivant, ça concerne l'accord cadre pour l'entretien des espaces verts d'Evron. Donc dans le cadre d'une adhésion à un groupement de communes, donc on arrive au terme du contrat qui était en place, donc qui concernait donc la ville d'Evron et la communauté de communes d'Evron, donc pour l'entretien des 10 espaces verts. Donc ça avait été mis en place en 2018. Donc avec une durée de 4 ans, donc qui arrive à terme en avril 2022. Donc juste comme ça vous a été relaté, donc en fait c'est la ville d'Evron qui avait initié le processus de la consultation donc dans le cadre de ces prestations d'entretien, donc à la fois pour les espaces verts communaux et intercommunaux. Et puis donc, bien évidemment, au déroulé de la conclusion de la consultation à l'époque, chacune des collectivités distinctement avait signé des accords cadres, donc à bon de commande à chaque fois avec des entreprises. Donc il est distingué à chaque fois des lots dédiés, donc et pour chaque lot dédié, donc il y a un bon de commande qui est mis en place. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de réitérer le même esprit, donc toujours ville d'Evron, comité de commune, et toujours pour les 10 espaces verts d'Evron, donc à compter de avril prochain, toujours pour une durée maximale de 5 ans, et avec une faculté donc de réitération chaque année. Donc on est exactement sur les mêmes modalités de l'époque. Donc, et là, nécessairement, on doit effectivement le présenter maintenant, pareil, pour pouvoir respecter nos délais de publication et autres, donc de pouvoir être opérationnel pour ne pas y avoir de rupture donc, en avril prochain. Donc on reste comme ça vous a été présenté donc, dans la même durée, hein, toujours 4 ans, donc reconductible tout chaque année par tacite reconduction. On fera un petit point, donc ça c'est un échange qu'on a eu au sein du bureau la dernière fois, donc ce n'est pas forcément toujours simple pour les élus de savoir les accords cadres, les groupements de commandes, communes, comité de communes, que ville d'Evron, que la comité de communes, que les communes mutualisées et la comité de communes. Donc on fera en sorte, et c'est une demande qu'on a faite la dernière fois au niveau du bureau, qu'on vous fasse un focus particulier sur ce qui existe à l'échelle de notre territoire et que chacun puisse bien comprendre effectivement chaque fois qu'on a mis en place ces groupements de commandes, pourquoi on les a mis en place et quelles étaient les limites éventuellement pour pas que toutes les collectivités puissent y être. Ouais, c'est les systèmes qui commencent à être de plus en plus, alors, entre guillemets, matures, même si c'est compliqué hein, de commander à plusieurs. Là, il y avait vraiment au départ et depuis voilà. Alors Thierry nous dit, Monsieur Ritou et DGA, vous avez sur le chat des petits mots, effectivement, que la synthèse est en cours de rédaction sur les capacités à faire plus et à étendre ce type de système. C'est franchement pas simple. On est tous gourmands de ça. En pratique, c'est jamais très simple. Alors forcément, plus on est d'avance mutualisé ou plus les enjeux sont forts parce qu'on travaille au même endroit. Alors des fois, les espaces verts communaux et communautaires, vous imaginez à la ville d'Evron, ils étaient au même endroit en fait. Donc prendre les commandes ensemble, c'est intelligent à la fois d'un point de vue financier, mais d'un point de vue aussi et parce que c'est un lien d'organisation fonctionnelle sur le terrain. Que les espaces verts du jardin aquatique soient tondus en même temps que la zone verte 1 d'Evron, où en fait on est au même endroit, bon bah ça a du sens, c'est logique. Voilà, donc on va essayer d'étendre ce type de process à d'autres zones, ce serait de bon ton, et ça permettrait sûrement à chacun de profiter d'économies. Mais après, il faut se mettre d'accord sur le mode de fonctionnement, qui on commande, etc. Parce que quand on groupe sa commande, bah, on commence à se marier un petit peu quelque part, et donc il faut partager les mêmes visions de fonctionnement, quoi. Mais c'est en moyenne vertueux et économique, pour peu qu'on soit à peu près d'accord là-dessus, quoi. Donc, on vous rendra tout ça, comme l'a dit Alain. Je te laisse continuer, Alain. Excuse-moi. OK. Donc, merci pour le complément, Président. Donc, s'il n'y a pas de commentaires ou de demandes particulières, au-delà de la présentation et la synthèse qui sera présentée, je vous propose que nous votions en conséquence. À voter. Donc le point suivant concerne donc la mise à disposition donc des kits de restauration dématérialisés pour le personnel de la communauté de communes. Donc le retour, donc c'est une délibération qu'on avait prise donc au mois de novembre dernier, donc où on avait autorisé notre président ou un représentant donc à signer l'accord cadre concernant la mise à disposition des kits dématérialisés, comme quoi le contrôle de légalité existe. Donc ça a été envoyé effectivement au contrôle de légalité, donc pour visa. Donc entre guillemets, la préfecture nous a juste rappelé qu'il y avait un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, donc vous imaginez pour des titres au restaurant quand même, bon on en est quand même. Donc de juin 2021, donc, qui était en place et qui effectivement interdisait de passer les accords 4 sans en avoir fixé préalablement des montants maximums.
chose effectivement qui n'avait pas été fait dans la délibération de l'époque. Donc on avait cru y échapper. Donc au sens que effectivement le décret ne rentre en vigueur qu'au 1er janvier 2022. Mais à l'évidence, on nous l'a rappelé, le droit européen a force immédiate dès lors que la décision est prise, sans nécessairement devoir attendre le décret d'application. Et comme à l'époque, on était exactement dans le périmètre, donc on aurait dû effectivement fixer un montant maximum. Donc, chose qui vous est proposée par réparation ce soir. Donc, il y a une évaluation qui a été faite par rapport à la durée du contrat, donc qui était de 4 ans. Donc, aujourd'hui, ça représentait 34 000 titres. Donc à émettre, donc à 5 euros de valeur faciale pendant 4 ans. Donc 680 000 euros. Nous sommes des gens prudents. On a préféré vous proposer effectivement de mettre un montant maximum à 1 million d'euros. Alors, ce n'est pas qu'on envisage d'avoir pléthore de nouveaux agents hein, qui ferait qu'on aurait plus de tickets restaurants, mais on pourrait avoir des modifications effectivement sur la valeur faciale, entre autres, et puis effectivement, et nécessairement aussi peut-être sur le nombre de tickets restaurants qu'on délivre. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des conditions qui sont fixées, et donc il y a un nombre limite qui est fixé par agent et par mois. Donc, chose qui pourrait être modifiée dans le temps. Ça a un mérite quand même. Alors déjà, indépendamment que de faire travailler des gens à nous rappeler des choses pour des histoires de dates, enfin bon, voilà. Bon. Indépendamment du côté un petit peu très administratif, ça a le mérite quand même de nous montrer le montant quand même que ça engendre. Hein. Et que chaque montant, et qui nous paraît alors, très naturel, très normal, et pour le coup très mérité, et j'ai aucun souci avec ça, au contraire, sur les tickets restaurants, mais vous imaginez quand même l'enjeu, on parle de 5 euros par repas, donc on parle de quasiment rien, et en fait on parle de 680 000 euros, quoi, donc, comme marché. Et donc dans chacune des communes où vous officiez, cher maire, 680 000 euros de budget, c'est pas rien, quoi. Et c'est du fonctionnement. Hein, donc chacun ramène ça au budget de sa commune et se rend compte que c'est le budget de sa commune sur les 4 années pour certains, et pour d'autres c'est déjà pas loin d'une année. Non mais c'est voilà, ça a au moins ce mérite là de mettre en perspective ces sommes là ce qui n'empêche qu'elles sont complètement justifiées, normales, et au contraire j'ai été plutôt ravi de ce nouveau marché, de faire les choses ainsi, et puis de les étendre aux gens qui sont dans les communes mutualisées éventuellement, quand ils n'y avaient pas droit d'avance, etc., etc. Enfin, donc voilà, donc ça nous rappelle ces choses-là. La loi et en même temps les sommes engagées sur ce type d'avantages sociaux très, très naturellement et normalement acquis. Donc je vous propose que nous votions cette modification. Donc pour être en conformité avec le droit européen, puis aussi en conformité avec nos agents aussi. Donc voilà. Des fois, on se demande ce que le contrôle de légalité a à faire, et effectivement, il a au moins ça à faire. Et donc c'est très bien qu'on puisse le faire. Donc, si tout le monde a eu le temps de voter à peu près, alors je rappelle, pour ceux qui seront en retard sur les votes, on contrôle un petit peu le nombre de votants qui sont faits. Et ceux qui n'y sont pas arrivés, vous resterez un petit peu après la dernière délibération de l'éminent Benoît Quintard, puisque nous quittons le non moins éminent, mais moins chevelu pour autant, Alain Suard, pour passer à M. Quintard, qui va nous parler d'une enquête publique de AG Europe. Exactement. Donc en fait, il y a un projet d'autorisation qui est présenté par la société AG Europe. Donc la société AG Europe, qui est basée à Évron, produit des produits à base de dérivés d'iode. Donc c'est principalement destiné à l'industrie de l'alimentation, de la chimie fine et du pharmaceutique. Une production d'environ 1500 tonnes de produits finis par an et emploie actuellement environ 50 salariés. Cette entreprise, elle a une caractéristique, une particularité, puisqu'elle relève de la directive relative aux émissions industrielles. Elle est classée Seveso seuil bas pour l'utilisation de l'iode et du cuivre, ainsi qu'elle est ICPE. Et donc, cette entreprise, par rapport à ce projet donc, que je vous présente maintenant, a besoin d'une autorisation particulière. Donc, en fait, l'entreprise, elle subit une diminution de la consommation européenne de ses produits et donc elle souhaite se renouveler en investissant dans la fabrication et la commercialisation de nouveaux produits. Alors, à la fois pour la chirurgie dentaire concernant l'iodure de thymol, la povidone iodée pour les éléments entrant dans la fabrication de la bétadine et l'acide iohydrique qui remplace l'hydrate d'hydrazine.
Donc, pour mettre en place ces nouvelles productions, en fait, elle a besoin de faire des modifications quant à sa structure. Et donc, elle envisage des nouvelles constructions pour une surface totale de 300 mètres carrés. Alors, c'est également pour être vraiment dans les règles, hein, puisque c'est une entreprise qui est extrêmement contrôlée, qui améliore sa qualité tant de production que pour les opérateurs. Et donc, dans les propositions de construction nouvelle, il y a la construction d'une nouvelle chaudière qui alimentera en eau et en vapeur certains bâtiments du site. Il y a l'extension d'un bâtiment pilote donc pour la production d'iodure de thymol. Il y a le bâtiment qui était initialement prévu à la fabrication d'iodure de méthyle sera maintenant affecté à la production de povidone iodé. Et il y a une extension de ce même bâtiment qui sera affecté à la production d'acide iohydrique. Et donc il y a un bassin qui sera également aménagé pour remplacer le bassin actuel afin de collecter les eaux pluviales et les eaux d'extinction d'incendie. Donc vous avez le plan juste après, et donc sur ce plan sont notés notamment en jaune les bâtiments qui vont être impactés. Et donc ce qu'on nous dit dans la mise en œuvre, c'est qu'afin d'obtenir les autorisations nécessaires à ce projet au titre du Code de l'environnement, une enquête publique se déroule actuellement, puisqu'elle a débuté le 4 janvier et qu'elle se terminera le 3 février prochain. En vertu d'un article du Code de l'environnement, le Conseil communautaire est sollicité par la préfecture de la Mayenne pour émettre un avis sur ce dossier d'autorisation d'exploitation qui a été déposé le 7 janvier 2021 par la société AG Europe. Et donc cet avis doit être formulé dans les 15 jours qui suivent la clôture de l'enquête publique. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre une délibération ce soir. Donc on a également été voir ce qui se passait au niveau de l'enquête publique. Donc en fait, M. Thomas, il a déjà réalisé 2 permanences à la mairie d'Evron, le 4 janvier et le 18 janvier. Donc il y a personne qui s'est présenté pendant ces 2 permanences. Il en reste 2 autres, le samedi 29 janvier et le 3 février. Le registre d'observation qui est mis à la disposition en mairie d'Evron, pardon, il est vierge aujourd'hui. Et la préfecture, elle a également mis une boîte mail à disposition pour recueillir des observations et des propositions. Et il n'y a rien non plus à ce jour au niveau de cette boîte mail proposée par la préfecture. Voilà ce qu'on peut vous dire concernant ce projet-là. Donc, je ne sais pas si ça vous amène des questions ou des remarques. Alors, la question, c'est effectivement, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce projet? Je sais que des communes devaient, les communes voisines de Nos-Mésangers-Saint-James devaient intervenir pour Nos-Mésangers-Saint-James, d'accord, pour avoir un avis. Alors voilà, Madame Dupont-Evelyne a une question, une remarque. Une question en fait. Oui. Cette société est déjà en Céveso, classée Céveso seuil bas. Oui. Est-ce que les nouveaux produits vont augmenter son seuil à Céveso haut, par exemple? Non. Aucune modification? Non. Merci. Alors moi, la question que j'avais, c'était, merci Evelyne, c'était par rapport aux mairies. Est-ce que vous avez déjà délibéré? Nous, Evron, on va délibérer jeudi. Est-ce que les autres, José par exemple, oui, de nos? Oui, ça, on a délibéré la semaine dernière et ça s'est bien passé. Il n'y a, pas eu de problème. Il y a juste une petite réserve par rapport éventuellement aux écoulements dans le petit cours d'eau qui est à côté et qui se jette dans la Joanne au niveau des pêcheurs. Mais sans ça, il n'y a aucune restriction. Il y a eu le questionnement, mais il n'y a pas de remarques ou d'événements indésirables relevés, je pense, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ça, parce que c'est une question qu'on a tous. J'en dirai un mot à la fin. Et je laisse. Donc voilà, donc Evelyne et José ont causé. S'il y a d'autres marques, est-ce que Mésangers a déjà délibéré? Parce que je crois que c'était toi le dernier, Robert. On est au conseil municipal jeudi soir. Ok, jeudi aussi. Ok, bon. Bon, bah, tu verras les remarques qui seront faites éventuellement. Moi, je ne propose pas de. Alors, nous, on aura une délibération à Évron jeudi. Pour l'histoire du ruisseau, effectivement, c'est une. Le ruisseau, bah, il est globalement sensible parce qu'il passe, bah, il passe près d'une ville. Hein, donc, dès qu'un ruisseau passe près d'une ville, tout ce qui en vient pose des soucis. Il passe aussi à côté des stations d'épuration. Il y a déjà eu des incidents, comme sur tous les ruisseaux de France, sur ce ruisseau. Ça n'a jamais été lié à cette usine, puisqu'on a eu des incidents plutôt liés à nos stations d'épuration. De villes, en moyenne, ce qui pollue les ruisseaux, c'est plutôt les villes. Hein. Je le dis comme ça pour être un peu à contre-courant de certaines choses qui sont dites des fois, mais c'est pas que ça, hein. Forcément, c'est des fois d'autres polluants. Mais donc, en tout cas, pour le cas qui nous intéresse, effectivement, à GeoEurope, le peu qui n'ait jamais été relevé correspondait plutôt à des odeurs, ou voire de la lumière en ville sur des gaz iodés qui se seraient échappés. Et voilà, donc c'est arrivé peut-être 2 fois dans les 10 dernières années.
Et le process, en l'occurrence, est plutôt sécurisé et sécurisant qu'autre chose. Donc, voilà, il n'y a pas, a priori, pas de, de risque supplémentaire à faire. L'iode, pour, juste pour la petite, l'anecdote, c'est très, très utilisé comme complément alimentaire. C'est utilisé aussi comme, saturant de la thyroïde. Pour tous ceux qui ont des problèmes de thyroïde, ils en savent quelque chose. Mais c'est aussi potentiellement saturant de la thyroïde en cas d'incident nucléaire. Donc c'est des produits qu'on fabrique pour plutôt générer de la défense aux incidents nucléaires dans le monde. C'est aussi le produit de la bétadine, donc qui est un produit, la polybidone iodée, qu'on connaît tous pour les bobos de nos enfants. Alors, ce qui est sympa, il y a deux choses aussi sympas. Ça, déjà, elle a la bonne idée, l'iode, d'avoir comme numéro atomique le 53. Donc, on ne peut pas trop en vouloir aux gens qui travaillent l'iode. Et puis, le dernier truc, c'est que ça nous protège du crétinisme. C'est quand même quelque chose d'important. Parce que si on dit crétin des Alpes quelque part, c'est parce que dans les zones montagneuses, on manque d'iode. Parce que l'iode, en moyenne, vient plutôt de la mer. Hein, puisqu'on dit, on parle d'air iodé. Et donc, le crétin des Alpes était celui qui n'arrivait pas à manger assez de poissons pour nourrir son hypothalamus et sa croissance intellectuelle. Donc, on ne peut que se réjouir d'avoir une usine qui travaille l'iode à côté de chez nous. Même si, effectivement, ça n'a pas de lien direct avec notre alimentation au quotidien. La bétadine, ça sert aussi pour les post-opératoires. Ah ben, complètement, c'est un désinfectant pour tout le monde. Alors, chez nous, on appelait ça la vétidine, mais c'est la même. Effectivement, la polyvidone iodée qui désinfecte, qui est un puissant désinfectant de chacun en pré-op et en... Exactement, Robert, ouais. Monsieur GSK. Effectivement, c'est un élément important de la pharmacie. S'il n'y a pas d'autres marques, je vous laisse passer au vote après ce moment pharmacologie de bas étage. Hop. Et donc, c'était le dernier vote. Ceux qui sont arrivés au bout du processus de vote ont vu arriver. Merci, votre réponse a été envoyée. Les autres, ou ceux qui n'ont pas réussi, on en parlera un petit peu après le conseil, puisqu'on a, on est arrivé au bout de ce très court ordre du jour, une fois n'est pas coutume. Est-ce que les uns ou les autres, vous aviez des points particuliers à soulever? Moi, je vais faire juste un petit point Covid, donc si vous avez des points... plutôt pas Covid, et après je vous fais un petit point sur la situation telle que je la connais là. J'ai Madame Sophie Le Chagatel, puis Monsieur Benoît Quintard, puisque Madame Sophie a dégainé la première. Oui, je suis désolée, ma caméra est en rade. Je suis désolée, c'est aussi un sujet Covid. Ah. C'était pour vous préciser que l'ensemble des équipes du service culture, donc que ce soit réseau lecture, saison et conservatoire, était très dans l'attente des textes concernant le Covid-19 pour la reprise en janvier et qu'on a travaillé de manière à garantir l'accueil des publics et l'accueil sécurisé des publics, mais aussi garantir nos agents de travailler dans des conditions sereines par rapport à cette flambée épidémique et que ce soit les médiathèques ou le conservatoire ou la saison, en fait, on continue de tourner et d'accueillir le public. Donc, il ne faut pas hésiter à venir au spectacle. On s'est organisé de manière à pouvoir respecter tout le monde, public et agent, même si ce n'est pas simple. Merci, chère madame. Monsieur Benoît Quintard. Oui, moi, je voulais juste amener une information, puisque vous savez qu'au niveau de la commission développement local, on avance sur différents sujets, et notamment sur la partie bocage, où on a un comité de pilotage qui va se mettre en place. On a imaginé inviter tous les membres de la commission développement local, mais pour le coup, elle ne couvre pas l'intégralité des communes. Et donc, je lance une invitation aux élus qui sont conseillers communautaires. Si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail sur le bocage qui va être mis en place, et notamment ce comité de pilotage, il faut juste nous le faire savoir au niveau de la commission, donc envoyer un mail à Marjorie Eplin, par exemple, ou à moi, pour qu'on puisse vous inscrire et vous inviter à ce copil bocage qui va débuter en mars. Ok, Madame Isabelle Dutertre. Oui, j'ai eu une question aujourd'hui d'une élue de Mayenne qui me demande si on est confronté, nous, par le refus de présenter le pass vaccinal par des agents qui sont en contact avec le public. Moi, à ma connaissance, non, mais est-ce que vous avez dans vos commissions, enfin des agents qui refusent de présenter le pass vaccinal, ceux qui sont en contact avec le public?
À ma connaissance, non, mais bon. Non, je n'ai pas cette info-là. Effectivement, ça viendrait vite parce que c'est depuis hier que c'est en voilà que ça démarre. Donc, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne sais pas si on a une proportion importante d'agents qui ne sont pas vaccinés et qui doivent avoir ce pass. J'en sais rien. Non, je crois pas. On regardera dans le détail, mais non, de toute façon, par nature, voilà, on a un directeur général adjoint qui nous dit à ma connaissance non plus, et l'autre aussi, donc a priori, c'est dans le chat. Donc non, on n'est pas confronté à cette difficulté-là aujourd'hui. Mais bon, alors globalement sur le nombre, ça, effectivement, on le voit, on l'a vu dans des collèges, voilà, je connais un cas ou deux collèges ou administrations où ça existe, mais effectivement, le c'est quand même. Heureusement rarissime, même si effectivement tout est compliqué individuellement, mais plus facile à tolérer quand on le fait pour le collectif. Voilà, c'est au nom de ça que c'est fait souvent. Donc non, on n'a pas ça pour l'instant en tout cas. Pas d'autres élus qui aient ce niveau-là d'information. Non. Oui, alors pour faire la transition avec le point Covid, vous avez vu le chiffre du jour. Comme on pouvait s'y attendre. Alors, pour une fois, les choses en partie se passent comme on le dit, c'est ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, je ne parle pas des mesures des uns des autres qui sont des fois compliquées, voire à brousse-poil ou à contre-temps, mais dans le moment de la crise, on voit bien que c'est compliqué pour chacun. En tout cas, d'un point de vue épidémiologique pur, on voit bien qu'on arrive à 40% de tests positifs aujourd'hui, donc à chaque fois qu'on se teste, on a une chance sur 4 de faire plus. Donc ça fait on a une chance sur 2,5, pardon, c'est 40% de tests positifs, donc on a quand même beaucoup de chance d'être trouvé positif pour ceux qui sont testés. Et en plus, comme les tests se multiplient par nature, puisque nos enfants sont tous cas contact, et quand ils reviennent de l'école après un protocole de 3, ils sont à nouveau cas contact. Expérience vécue, j'en suis à six prélèvements par enfant. Donc c'est compliqué partout, tous les parents d'élèves s'en rendent compte. Et on a la chance, en tant qu'élu ou salarié, de ne pas avoir le même protocole que nos enfants et que certains professionnels de santé qui, effectivement, dans les EHPAD ou ailleurs, doivent se faire gratter le nez avec une forte récurrence. Bon, et avec une chance sur 2,5 à chaque fois de tomber positif maintenant. Mais le bon côté, c'est que, comme pour une fois, les choses sont à peu près claires, autant c'est très contagieux, donc ça hospitalise un petit peu, ça, en proportion, ça hospitalise beaucoup moins que le variant précédent, et surtout ça va beaucoup moins en réanimation. Alors on débattra les uns les autres de effet du variant, effet du vaccin, etc. On se rend bien compte qu'il y a des deux, hein, mais on ne va pas lancer le débat là, c'est pas le sujet. Mais pour autant, les chiffres de ce soir montrent ça, que ça continue à monter en Mayenne. Et j'invite chacun à une relative prudence par rapport à ce qu'on dit au niveau national, parce qu'on sait maintenant depuis quelques mois qu'on est sans arrêt en décalage d'à peu près 15 jours, 3 semaines, voire un mois avec le national. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on est en bas quand le national est remonte. On remonte 15 jours, 3 semaines après, et puis du coup, on nous annonce que le national baisse, et puis nous, on est encore en train de monter. Donc c'est un peu ce qui se passe là aujourd'hui, où au niveau national, on nous annonce des baisses de contamination. Et puis là, on voit bien qu'aujourd'hui, nous, le chiffre du jour de 18 heures, voilà, il est quand même, on est à 3400 pour 100 000 en termes de positifs. On est à 40% de tests positifs et on a une soixantaine d'hospitalisés. Mais par contre, effectivement, la réa ne bouge plus. Hein, et donc, on est sur ce qui est dit pour une fois. Tout le monde a l'air d'accord sur le fait que le variant soit plus contagieux, mais effectivement moins nocif. Pour nos habitants. Donc maintenant, on gère un peu le côté légal et le côté je me teste, d'où la problématique du moment. On a fait des pieds et des mains auprès de l'ARS et de la préfecture, mais c'est l'ARS qui gère un peu ce quotidien-là des tests. On a une grosse problématique de capacité de test partout en France, mais en particulier sur les Coëvrons, d'autant plus que, enfin sur le Coëvron et voilà, partout en Mayenne, hors des gros centres, puisque les centres hospitaliers ont plus de matière pour faire des PCR ou des antigéniques, et que le déplacement des cellules ou des unités mobiles de testage se font plus difficilement, puisque en plus, bon, les gros centres sont plus positifs,
et où qu'on teste beaucoup plus. Donc les gens restent plus facilement à Laval, à Mayenne ou à Château-Gontier qu'ils ne se déplacent à Évron, Ernée, Villaines-la-Juhel ou Mélédumène. Hein. Donc voilà, donc on est dans cette demande-là. Donc il y a des tests qui se font. Heureusement pour les enfants, bon, l'antigénique suffit, même si j'ai répété au préfet que des attestations sur l'honneur de parents qui vont gratter le nez de leurs enfants de 5 ans sur le canapé de la maison. C'est compliqué, hein. Donc voilà, donc bon, les gens attesteront que leurs enfants sont négatifs et tant mieux, et puis ils auront bien, voilà. Et donc on en est là, quoi. On est dans une situation un peu compliquée, les restrictions vont se lever, puisque le 2 février ça se lève, on imagine que le pass vaccinal va pas vivre longtemps, puisqu'il va être mis en place là, puis bon, si ça se lève le 2 février, les choses devraient se lever. Donc je ne sais pas si on en voit le bout du tunnel, mais en tout cas, on a cette difficulté. Et par rapport à l'application de la loi, on a la difficulté pour nos habitants de devoir faire des tests, parce que c'est la loi, hein, c'est la règle, et d'avoir des difficultés à les mettre en place. Donc on fait ce qu'on peut, on a eu des ressources de la protection civile et puis du laboratoire évronais, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant, donc on va continuer à se battre pour ça. Je ne sais pas si ça suscite des remarques, si la problématique la plus prégnante pour moi c'est l'école aujourd'hui, hein, où on affiche beaucoup de classes comme étant ouvertes, alors qu'en fait les enfants passent leur temps à faire des allers-retours entre chez eux et l'école. Marie-Cécile, oui, tu as des remarques là-dessus? Marie-Cécile, je ne t'entends pas. Les infirmières libérales font des tests également sur baie pour accompagner les pharmaciens. On a eu des tests jeudi dernier et cet après-midi. D'accord. Donc ça commence à se... Ouais. Donc elles font ça pour des tests antigéniques maintenant? Oui. Ouais. Ouais, très bien. Ouais, c'est ça. Alors pendant un moment, il y a une semaine ou deux, certaines infirmières libérales ne voulaient même plus en faire pour des raisons scolaires, puisqu'elles estimaient que s'il fallait réserver la primeur à ceux qui avaient des vraies utilités à faire des tests, c'est-à-dire en gros des gens qui rentraient à l'hôpital, qui avaient des problématiques fortes, alors qu'effectivement nos jeunes enfants n'avaient par rapport à la maladie ou au test quasiment aucune incidence individuelle. Donc il y avait peu de sens à multiplier les tests chez eux quand on ne pouvait pas rentrer des gens à l'hôpital qui avaient des examens sérieux et importants à faire ou voire même des opérations à subir et que pour eux il y avait une urgence à faire des tests PCR. Donc certaines infirmières pendant un moment s'étaient mises en retrait et même les laboratoires, hein, refusaient les tests entre guillemets soit de convenance soit scolaire pour se concentrer sur les tests les plus importants pour des gens pour qui il y avait une importance individuelle à subir des opérations ou à faire des manœuvres. Donc maintenant ça se libère un peu plus, mais c'est pas encore la panacée vu le nombre de tests faits chez nous. Et donc voilà. S'il y a d'autres remarques ou questions. Une petite question, ouais, concernant la carte scolaire. Est-ce que on sait si on est impacté sur les cohérents? Et éventuellement, est-ce que il y aurait des impacts dus au Covid? Non. Alors, je le sais, puisque j'ai eu le directeur d'académie au téléphone avant qu'il publie sa carte. Il a fait le tour des représentants, entre guillemets, dans le département. Donc, c'est en tant que président d'AMF que j'ai eu cette information vendredi matin. Donc, les Coëvrons ne sont touchés par aucune fermeture ni ouverture, puisqu'il y a des ouvertures, hein. Il y a sur le département 17 fermetures, 6 ouvertures. Et il y a un petit changement sur une classe Ulysse. Mais c'est complètement à la marge. Et je n'ai pas vu dans les 17 communes qu'il m'a citées la moindre commune dans les Coëvrons. Je lui ai fait redire et il me l'a redit. Donc il y a des changements à la marge sur des postes, sur de l'Ulysse, je crois, à Évron. C'est ça. Mais c'est tout, donc c'est relativement stable. À Évron, il y a une stabilité un petit peu, je vais pas dire artificielle, mais liée au fait qu'on a un projet de réorganisation et de valorisation de l'école publique chez nous. On sait qu'on est en fragilité en termes de nombre, mais il a pas soumis à l'arbitrage une baisse du primaire à Évron, puisqu'il sait qu'on travaille à faire ensemble un projet structurant. Donc c'est ça les informations qu'il m'a données sur les 17 classes. Il y a même des communes, alors je parle de Laval ou de Mayenne, où il y a en même temps une fermeture, ou peut-être des fois même deux fermetures, mais une ouverture aussi dans une autre école. Donc il a vraiment fait du cas par cas. On a un directeur académique qui est très... qui regarde dans le détail et qui ne fait pas des règles de trois dures. Voilà, c'est pas une règle de trois. On a plutôt des effectifs réduits par rapport au nombre de professeurs.
On a en moyenne peu d'élèves par classe, mais pour l'instant, il y a un maintien chez nous. C'est un peu l'effet de la convention ruralité, et c'est plutôt la bonne nouvelle de l'année, de la carte scolaire actuelle, puisqu'on sait qu'on l'a bien vu au terme du chiffre INSEE 2019. Voilà, la natalité est faible partout en France, mais elle l'est chez nous. Et puis la capacité à accueillir des jeunes enfants dans les écoles, elle dépend du nombre de jeunes enfants. Et là, aujourd'hui, il y a un solde migratoire qui n'était pas très positif, en tout cas jusqu'en 2019, puisque on attend avec hâte le résultat de l'analyse de ce que a représenté ce qu'ont représenté les achats de biens immobiliers sur tout le territoire d'Écoëvron comme tous les territoires ruraux l'année dernière. Donc on verra s'il y a un bilan ou un effet sur nos effectifs scolaires bientôt. Mais ma réponse, Robert, c'est qu'il n'y a pas de communes dans l'Écoëvron qui sont touchées par des baisses de classes, enfin des suppressions de classes. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou remarques ? Non, c'est bon. Eh bien, jeunes gens, il est 20h46. Je ne sais pas si on peut encore regarder là. Ah, mais Xavier est content, donc c'est bien. J'en ai 9 dans le viseur, donc s'il y en a un qui bouge, je le vois. Mais vous ne savez pas qui je vois, donc méfiez-vous de ne pas bouger trop vite. Donc je vais vous souhaiter à toutes et tous une belle soirée, vous dire... donc à très vite, la prochaine fois on sera clairement en présence les uns des autres dans notre belle salle du Trait d'Union à Évron, où j'aurai plaisir de vous retrouver en personne. À bientôt à toutes et tous, bonne soirée.